Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool au Mic et dans cette vidéo, je vais vous présenter une nouveauté qui est arrivée sur Fortnite. Donc ça fait déjà plus ou moins, je pense, une semaine, mais il y a un buff d'XP, donc vous allez pouvoir gagner énormément plus d'XP parce que avant, en fait, les défis que vous commenciez avec les personnages, donc les cartes à remplir que vous faisiez avec les personnages, donc quand vous allez voir un personnage sur la map et que vous lui demandez des défis, en fait, les XP, ça vous donnait par exemple une quête commune, donc non, une quête typique, ça vous donnait 500 XP. Maintenant, ça vous donne 2500 XP. Donc, ils ont fait x5, ça vous donne 5 fois plus d'XP maintenant sur Fortnite quand vous faites des défis. Atypique, c'était 525 XP, maintenant c'est 2700 XP. Et les rares, c'était 550, ensuite... Maintenant, c'est devenu 2750. Les épiques, c'était 575 XP. Maintenant, c'est devenu 2900 XP. Et les légendaires, maintenant, sont passés à 3800 XP. Avant, c'était 750. Donc, franchement, si vous voulez gagner blindé d'XP, vous avez juste à aller vous rendre aux emplacements des personnages. Donc, je vous affiche une map avec tous les emplacements des personnages de Fortnite saison 8. Vous allez parler à n'importe quel personnage. Moi, je vous conseille d'aller parler à Amanit. Les défis d'Amanit se font très facilement et très rapidement. Donc, vous pouvez gagner une histoire de 10 000 voire 15 000 XP super rapidement par partie en 10, 15, 20 minutes. Vous pouvez faire tous les défis d'Amanit, voire même les défis d'un autre personnage qui est juste à côté. Vous faites tous les défis et vous pouvez genre gagner 25 000 voire 30 000 XP par partie. C'est juste énorme, c'est juste incroyable. Donc c'est quand même cool que Fortnite a augmenté le nombre d'XP qu'on pouvait gagner par défi, parce qu'avant on pouvait pas. Donc là franchement, enfin avant c'était pas vraiment rentable, et là maintenant c'est super rentable. Donc depuis la mise à jour 18.20, eh ben cette nouveauté est disponible. Donc profitez-en un maximum. Regardez moi ici, j'ai 3800 XP. Si je danse au sommet d'une montagne, franchement c'est super facile à réaliser. Ici je dois juste ramasser une arme dans les détours, super facile à réaliser. Là c'est repérer des adversaires en utilisant un scanner de reconnaissance. Bon, celui-là il est un peu plus galère parce qu'il faut trouver le scanner de reconnaissance. Mais bon, tous les défis, si vous pouvez en parler à 5 personnages au total. Donc vous pouvez avoir 5 séries de 5 défis. Donc vous pouvez avoir 25 défis enclenchés et faire les 25 défis en une seule partie. Donc, si vous faites 25 défis, tous les 25 défis en une seule partie, bah là vous dépassez les 50 000 voire 75 000 XP par partie. Donc vous allez monter en niveau incroyable. Déjà il faut savoir que là ça fait quoi, ça fait 5 semaines que le Fortnite est disponible. Je suis déjà niveau 62. Il faut savoir que moi je suis pas un très grand joueur, je joue pas énormément beaucoup, je fais beaucoup de vidéos, donc je n'ai pas forcément le temps de jouer, et je suis déjà niveau 62. En temps normal, après 5 semaines de défis d'une nouvelle saison de Fortnite, je suis niveau 40 voire 35. Donc franchement là ça va très très vite. Si vous voulez être palissant, c'est la meilleure solution, c'est de faire un maximum de défis. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette nouvelle mise à jour. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao. Peace.